Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, c'est une petite vidéo qui est en fait la suite de celle que j'ai postée hier pour mon ami Michel, qui est belge et qui se retrouve dans. S'il n'y a rien qui est fait, elle va se retrouver à la rue. Alors, on a un petit peu étudié le courrier de la CAF et j'ai vu avec elle et je lui ai dit, mais écoute, ils t'ont quand même trouvé quelque part que tu avais, soit sur un compte d'épargne, soit quelque part, 3 300 et quelques euros. Et elle m'a dit, c'est absolument faux, je n'ai absolument jamais eu de compte d'épargne. D'ailleurs, j'ai apporté tous les justificatifs à la CAF, je n'ai absolument jamais eu de compte d'épargne, je n'ai jamais eu d'argent de côté, je n'ai jamais rien eu du tout. J'ai apporté tous mes justificatifs à la CAF avec justement les relevés d'imposition, etc. Donc ils ont pu voir que je ne mentais pas, que c'était vraiment la vérité. D'où ils sortent cette somme, je ne sais pas. Il y a sûrement une erreur quelque part, un échange de dossiers. Comme c'est jamais la même personne qui s'occupe des mêmes dossiers, ça part un peu dans tous les sens. Il y en a une qui va vous donner de bons conseils et l'autre qui vient derrière qui va vous dire non, c'est pas vrai, c'est tout à fait faux. C'est l'administration quoi. Pas quoi dire. Mais elle m'a dit, je serais curieuse quand même de savoir où est-ce qu'ils ont été me dégoter cette somme parce que je l'ai pas. Elle m'a dit, tu penses bien que si j'avais cette somme, je crierais pas au loup en disant je suis à la rue. Non, je profiterais de cette somme hein, le temps que ça dure. Elle dit, je vis uniquement avec l'argent du Pôle emploi. Donc, elle est en France depuis 40 ans. Elle a travaillé pendant 35 ans. Donc, elle a cotisé pour la France, puisqu'elle était en France. Elle a eu des enfants en France. Et donc, elle ne va pas retourner en Belgique, puisqu'elle ne veut pas et elle ne peut pas retourner en Belgique parce qu'elle a ses enfants qui sont en France. Et forcément, elle a le droit d'être en France tout comme n'importe qui. Ceci dit, elle a le choix entre Pôle emploi et le RSA. Là, elle ne peut pas cumuler les deux. Bon, quelque part, je veux bien le concevoir, hein, qu'elle ne puisse pas cumuler les deux. Mais le problème, c'est quand même que si elle laisse tomber Pôle emploi et qu'elle se met du côté, si elle demande le RSA, déjà, il y a 3 mois de battement hein, entre les deux. Pendant 3 mois, elle ne pourra rien recevoir du tout. Et bon, elle va gagner 70 euros, mais ces 70 euros lui permettront d'avoir droit à l'APL et donc de garder son appartement et de pouvoir continuer à vivre tant bien que mal en France. Parce que comme elle est toute seule, elle vit toute seule, elle a ses enfants, mais ses enfants ont fait leur vie. Donc dans son appartement, elle vit toute seule, dans sa petite maison, je sais pas, elle vit toute seule. Donc, elle a besoin de la PL. Elle dépend de personne. Elle dépend de personne. Elle dépend juste d'elle-même. Voilà, le souci, c'est que la CAF, en tant qu'administration, fait souvent des erreurs. Je me rappelle quand ma sœur était descendue sur Nice pour venir nous retrouver. Ils ont bien réussi à mélanger son dossier avec le mien. Donc, on était en fait la même personne. Hein. Ils ont dû penser que c'était un enfant à moi ou je sais pas. Mais bon, comme ma sœur aînée, j'étais trop jeune pour être sa maman. Donc, je ne pouvais décemment pas être sa mère. Donc, je ne sais pas ce que la CAF a fait entre mon dossier et le sien. Toujours est-il qu'ils ont confondu les deux. Et qu'elle faisait partie intégrante de ma famille, alors que ce n'était pas le cas. Ceci pour vous dire que les administrations font beaucoup d'erreurs, ont beaucoup de mal à le reconnaître quand vous leur mettez les erreurs devant les yeux, ont beaucoup de mal à le reconnaître et font tarder. Quand vous leur devez des sous, ils vous envoient des lettres de relance sans arrêt. Par contre, quand c'est le contraire, ils freinent des cas de fer, ça c'est clair. Et donc, il faut faire la personne qui n'a que ça pour vivre, forcément, il faut vraiment faire quelque chose, quoi. Là, avec 480 euros, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Payer son loyer, elle ne peut pas. Elle a juste de quoi se nourrir pour le mois. Hein, payer les factures, là, ils lui ont même retiré la CMU,
Ils lui ont retiré la CMU, donc ce qui fait qu'elle ne peut même plus se soigner, puisqu'elle n'a pas les moyens. Elle est diabétique, donc elle ne peut même pas aller voir le médecin pour avoir les médicaments qu'il faut pour le diabète. Elle ne peut pas avoir le taux de... Enfin, faire les analyses nécessaires pour sa maladie, et je trouve ça inadmissible. Vraiment, je trouve ça inadmissible. C'est pas normal. C'est pas normal. La France qui se dit être ouverte, qui était avant un pays de recueil, on était là tous les bras ouverts pour accueillir les gens. Maintenant, on les accueille quand on a besoin d'eux, c'est un fait. Et quand on n'a plus besoin d'eux, on... Dégagez, retournez chez vous, c'est bon. Vous êtes un poids pour la société, et aux sociétés, c'est pas possible. Mais peut-être qu'on oublie les 35 ans qu'elle a vécu en France et qu'elle a travaillé en France et qu'elle a payé ses impôts en France, etc., etc. On oublie ça aussi. Alors oui, ça c'est le passé, ça c'est plus d'actualité. Ben non. Avec la nouvelle loi Macron depuis le 1er juillet, ça c'est plus d'actualité. Donc voilà. Un truc de plus, je sais pas vraiment, je sais vraiment pas comment faire pour l'aider, moi, de mon côté. Elle a rendez-vous avec son assistante sociale le 11 ou le 12 décembre, je me souviens plus très bien, elle me l'a dit, mais j'ai zappé. C'est sur le message qu'elle m'a envoyé. Enfin bon, d'ici là, elle va faire comment, je sais pas. Je sais pas. Je lui ai dit d'aller taper du poing à la CAF, parce que de toute façon, je lui t'emmène tous tes dossiers et tu vas voir ce qu'il en est, parce que bon. Parce que si elle arrête, si elle se désinscrit de Pôle emploi et qu'elle demande le RSA, il y a quand même 3 mois de battement. Donc il faut quand même qu'elle vive pendant ces 3 mois. Elle ne va pas faire la grève de la faim pendant 3 mois. La pauvre, elle est déjà malade, elle ne va pas faire la grève de la faim pendant 3 mois. Donc voilà, je n'ai absolument aucune idée de comment faire. Je vais parler avec elle. Elle m'a dit, bah, il n'y a que l'assistante sociale. Et encore, comme c'est une loi qui est sortie au 1er juillet, elle ne voit absolument pas... comment réagir vis-à-vis de cette loi, et bien sûr qu'elles n'ont pas été informées et que il n'y a pas de recours pour l'instant. Il faut vraiment qu'elles aillent chercher, qu'elles aillent faire du mieux qu'elles peuvent pour pouvoir aider mon amie. Et donc voilà. Mais oui, quand on nous passe des lois sous le dos, enfin, derrière le dos, et qu'on n'est pas au courant, on se trouve face à des situations qu'on ne connaissait pas, inexplicables. Et c'est comme ça que petit à petit, la France est en train de s'écrouler. Alors, c'est bien parce que Macron, il a dit il n'y a pas longtemps que c'était l'ONU, ou je ne sais plus. Enfin bref, il y avait une organisation qui était en mort cérébrale. Moi, je pense que si on continue comme ça et que si on fait rien, bientôt c'est la France qui sera en mort cérébrale, sans aucun doute. Parce que ça va vraiment pas bien du tout. Pas bien du tout. Voilà, écoutez, je suis pas très gaie ce matin, c'est vrai, mais voilà, faut partager la vidéo, savoir s'il y a d'autres personnes dans ces situations. Hein, sa situation est bien spécifique, savoir s'il y a d'autres personnes dans cette situation et voir comment faire dans ces cas-là. Est-ce qu'elles ont réussi à s'en sortir ou pas? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Est-ce qu'elles sont encore dans les soucis ou est-ce qu'elles ne le sont plus? Enfin bref, faire quelque chose quoi, parce que je trouve que des gens dans la rue, il y en a déjà assez. Des gens qui sont SDF, il y en a déjà assez. Il y en a. Tous les jours, hein, qui deviennent SDF tous les jours pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus les moyens. Alors elle est belge, on peut toujours lui dire retourne dans ton pays, sauf que ça rentre pas non plus dans le chemin. Et donc, s'il n'y a pas quelque chose qui se déclenche très rapidement d'ici la fin de l'année, elle va finir SDF aussi à la rue. À moins que ses enfants puissent, comme elle a dit, moi, mes enfants sont prêts à l'accepter, mais en même temps, j'ai très peur parce que je voudrais pas qu'on leur coupe à eux les moyens, puisque moi, j'ai quand même une petite rentrée. Ah, je dis oui, vraiment petite, hein. Elle m'a dit oui, j'ai une petite rentrée. Sauf que cette petite rentrée, avec ce que gagnent mes enfants, peut très bien leur couper les avantages qu'ils ont aujourd'hui. Et elle a dit, je veux pas. Je veux pas, donc à voir.
à voir par la suite. Donc c'est une histoire à suivre malheureusement. Et j'espère qu'elle aura une bonne fin et que les choses vont vraiment s'arranger pour elle parce que c'est vraiment pas drôle et c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde, aussi bien à moi qu'à vous, qu'à n'importe qui, à tout le monde. Ça peut arriver à tout moment, n'importe quel moment. Parce qu'on est poignardé dans le dos à tout instant par le système qu'on est actuellement. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment faire quelque chose. Je ne sais absolument pas quoi faire là. Je suis vraiment dans le... À part partager les vidéos et savoir réunir les gens qui peuvent, qui ont connu ou qui connaissent cette situation afin de pouvoir se rassembler et voir ce qu'on peut faire. Mais sinon, je ne vois absolument pas quoi faire à la date d'aujourd'hui. Et j'en suis vraiment désolée pour tous ceux qui souffrent et qui sont dans des situations pareilles. Et tous ceux qui sont dans la rue, encore un mot pour ceux qui sont dans la rue, parce que vraiment, par ces temps-ci, c'est vraiment horrible. Et j'en ai presque les larmes aux yeux parce que tellement ça m'émeut. Et voilà, je suis vraiment, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment très mal. Parce que moi, rien que le fait de sortir sur ma terrasse, c'est déjà un froid pas possible. Donc c'est vrai que je suis, ça me fait vraiment mal au cœur pour eux. Voilà, et je vous assure que mes larmes, c'est pas de l'oignon, j'ai pas d'oignon sous mes... Pour jouer la comédie, c'est la stricte vérité. J'ai vraiment très mal au cœur pour ces gens-là. Et d'autant plus quand c'est... J'ai mal au cœur pour tous ces gens-là, que ce soit des amis, que ce soit des gens qu'on connaisse ou pas. Ça me fait vraiment mal au cœur. Voilà, donc je crois que je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Faites partager cette vidéo, s'il vous plaît, c'est vraiment important. Et bah écoutez, en attendant une nouvelle vidéo que j'espère un peu plus gaie avec de meilleures nouvelles, bonne journée à tous, prenez soin de vous et à bientôt. Bye.